Balandi Congo Live Télévision de partout boko landa biso mbote na bino to kobeta masolo etali mboka ndenge tolobaka ete la République démocratique du Congo gestion na yango ekotambola ndenge nini ezali bongo masolo to kobeta pona ko informer ba congolais de partout boko landa biso bino ba diaspora bozali na Europe na Asie na Océanie na Amérique na Afrique awa to kobeta masolo le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne à Lubumbashi pour un séjour de travail de 48 heures. Déjà aujourd'hui, il préside cette cérémonie à remise officielle. Il y a wagon coupé sa manakati à Lubumbashi matin. Il était sur les lieux de la manifestation pour s'assurer que tout se déroule bien. Entre-temps, la ville de Lubumbashi s'est fait toute belle et propre. Là, c'est le chef de l'État, Azali Bongo Nangambo et Lubumbashi, pour que, la place de la gare, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, va présider dans quelques instants la cérémonie de remise officielle des lots importants, des locomotives et des wagons au service national. Tokobeta Masolo, na Oetali, est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Toko célèbre journée internationale de réfugiés. Dans la ville de Goma, plusieurs réfugiés rwandais refusent de rentrer chez eux et car, selon eux, il n'y a pas de paix au Rwanda. Voilà, nous allons débriefer en go. Il y a un peu de Yerushalayim, il y a un peu de pour que tout le monde soit masolo parce que l'Organisation des Nations Unies a sali et a bimisi la vérité. Selon les experts de l'ONU, l'armée rwandaise et ougandaise compose la majorité des troupes du M23. C'est, nous allons aussi débriefer ça. Donc, on met la yango masolo. Et le col à président Yerushalayim Masali, le mon avis, il y a eu quatre, il y a eu deux pèses partis au pouvoir. Question au Bakongola Kotuna. Entre les ministres nationaux de la République démocratique du Congo et le secrétaire général du parti politique, qui donne l'injonction à l'autre? Parce que tout le monde est en train de se faire un peu de temps. Le ministre est une pèse. Bon, c'est là que vous composez le cabinet de la binote. Partiez-vous de la binote de la liste de membres? Qui dit mieux? Qui dit vrai? Mon amboka, Yerushalayim Mazanabi, surtout comme étant un ami, sur le monde, mon amboka. Amboka, je suis un collègue à la journaliste. Je suis un collègue à partager. Je suis un collègue à Kati, je suis un collègue à ma imboka na baondenge zo tambola na tout seigneur tout honneur na zo tona botonde son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o to zo benga fatiwe ton o ya Yerushalayim so ki ya zalaka na ngwende ya Congo le lotembele le Congo mboka na biso mboka bakoko et c'est kabwan deja na biteni mine ndenge mundele a prepara ko na ye periodo basala charte ba impérialiste c'était en 1953 au Balinga qui va réviser accord, soit traité à Berlin, Oyo, Papessa, Congo, RDC, Mboka, Nabiso, forme Oyo, carte au Bazanango, Léo, Tozanango, Lélo, Oyo, Basalango, et pas ba géomètre, Naba, topographe, Naba, géographie à Léopoldé, en 1884. Et le plan était toujours que Balkanisation et Salement. C'est là où on parle que Mouzé a été dupé par les Occidentaux, Bazana Janda caché à Kabola, RDC en quatre parties. Mais avec son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accédé à Ngwende et local Bosso, état de siège. On a eu Kananou, Kota Ituri, avec Nord Kivu, et qui n'est pas Banyangalagata, parce que c'était déjà cédé dans l'accord. Oh, il y a 2009. Même depuis 2001, Joseph Kabila a mis un moratoire où il a levé le lot de peine de mort. Il y a un accord, un mixage, brassage, intégration, infiltration. Nyoso, c'était pour fragiliser les services de notre pays et faciliter ce qu'on appelle balkanisation. Mais le lot ndenge fardessé en matière de puissance. Ndenge ba patriotes oto banda ko benga kala ba mai mai lelo ba komi ba wazalendo tout congolais et c'est que nyoso ozali et c'est que nyoso oyozali ozolo bela Congo ozali ko denoncer mabe oyo
y a infiltration, mabe y a insécurité na Congo aux Wazalendo. Je suis le premier Wazalendo, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, na bandi ete ba Congolais ba kolanda le premier Wazalendo azali bongo na ngambo ya Lubumbashi et pa yapi akosala séjour de travail de 48 heures les autres complètement solo parce que actualité il makasi na kata République démocratique du Congo, Nations Unies a dit si la vérité na ye alobi ete armée ougandaise na armée rwandaise ba monde ba ko constituer effectif il y a ba M23 aussi longtemps le mal aussi azali ete. Il y a une opération conjointe entre même UPDF entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Moi, je pas Thomas et Rochalema. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu me parles ça, je pense que le l'autre a, j'ai dit si je me trompe pas. Tout à fait. Lundi, j'ai vu ambassadeur il y a Union européenne aux on a une délégation même qui n'a pas été à son excellence si je me trompe pas. Ça doit être lundi bien le vendredi. Mais on sait que nous non Union européenne il faut à qui nous la macambaba réfugié et le mandat passé bazakana 65 milliards et zamouké il faut comme jusqu'à 150 100 milliards pour la macambaba réfugié tout ça mais les pas blessés où et comment le dernier voyage à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui n'a Macron Macron parlait aussi sur les réfugiés congolais ndenge exode réal les ali bazo tambola et balzo linga kopesa aide. Na esika ba kimi ba mboka na bango ba village na bango na makambo na bango bazo kima parce que il y a complicité il y a communauté internationale otozolo ba américain ba français ba allemand ba anglais avec des belges pour la balkanisation tout à fait mais bazo la sa rapport pour na kati ya M23 il y a armée rwandaise avec IPDF au ya Uganda. Mais ça, le rapport, il faut sauter. Nous avons les rapports d'abord mapping. Nous avons plusieurs rapports au ONG, il y a Nations Unies, il y a PESA et belé, tout ça. Donner les rapports, c'est bien. Mais quand on parlait que la diplomatie est active de son excellence, avec Saint-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a doigté Kagame pour dire que c'est Kagame qui est gendarme, il y a Occidentaux, c'est Kagame qui tue. C'est Kagame qui pille. Mais Ero Balobi m'a quand même rapport aux Zorba. Mais il n'y a pas longtemps, il y avait une délégation à l'Union européenne qui a signé un accord sur les minéraux avec Paul Kagame. Mais Rwanda n'a pas de minéraux. Rwanda n'a pas de minéraux. Est-ce que l'Union européenne a signé un accord avec Rwanda sur coopération économique et minéraux? Est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui? Quelle cause au Bakenda pour signer un accord avec Rwanda? C'est pour donner le feu vert à Kagame, qui ont continué toujours de tuer les Congolais, continuer de piller. Et c'est là où ils ont été surnommés des recelers. Mais nan va corriger Wanate. Bazolo, que non, il y a M23, il y a M23, il y a 4, il y a M23, il y a Rwanda avec Uganda. Parler, c'est bien. Mais on n'a jamais eu, aucune fois, une résolution qui condamne les touristes Paul Kagame avec Ouganda. Il y a eu une guerre ici de 6 jours dans il y a Kisangani. Des armées, il y a pays étrangers, et Robayaka na Kofu na Bango, il y a occupation en Boka. Ils ont fait tuer plusieurs Congolais avec des viols na Kisangani. Mais c'est ça, c'est que nous voulons que va créer ba omoko, ce qu'on appelle l'endroit tribunal international sur des rapports au bazo pesa tongo midi pour oui cause à la tano na 9e rapport mais pourquoi pas des résolutions mais ero même bato union européenne bato kolona autre koloba bazo ka pona aide son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo avait dit à Macron que non aide c'est bien mais on n'a pas besoin il y a aide mais nous avons besoin que boyeb se mutu na bino Paul Kagame bino boza simanaye allons on a territoire congolais, bon revenir na ba accord de contrat au signé qui na Kagame sur les minéraux, venez au Congo directement, n'y en a te quel bien les minéraux, mais bato kufimingi. C'est là où nous voulons. Mais dénoncer, c'est bien. Mais quand tient un rapport, une résolution est athée. Wana est à bluff. Ils veulent nous distraire parce que le monde est comme déjà
Nabi, des camps, il y a quand, oh, il y a des pays qui se disent que Baza pour libérer. Par pays, Moussous, où ils ont continué dans l'esclavagisme moderne au Occident, c'est juste aujourd'hui. Nous avons vu Poutine avec Chine, nous avons Poutine avec Corée du Nord, nous avons vu Poutine avec Brésil, nous avons vu Poutine avec Inde. Et le pays, on a compris que notre système, il y a l'Occident, soit l'Occidentaux, pour que nous avons la Troïka, avec leur charte impérialiste, ils sont là pour marginaliser et chercher toujours à esclavagiser. Ils ont modernisé l'esclavagisme. Et trop, c'est trop. Les pays africains, nous devons nous prendre en charge pour dire non aux impérialistes, pour dire non à une nouvelle manière d'esclavagisme. C'est comme ça que nous soutenons son excellence, pour dire que non. On commence d'abord avec les réformes juridiques, les réformes constitutionnelles pour se libérer de la constitution. On n'est pas d'accord avec des dénonciations, mais nous serons d'accord avec l'applicabilité. Il y a résolution, il y a condamnation. C'est ça ce que nous attendons. Voilà, les experts des Nations Unies disent que l'Ouganda a récemment renforcé sa présence militaire en soutien au terroriste plutôt M23 contre la population congolaise. L'Ouganda est notre adversaire. La RDC doit prendre des mesures qui s'imposent et préparer la population à faire face à la guerre imposée par le Rwanda et l'Ouganda. Donc, c'est une affaire aujourd'hui. C'est vraiment l'alerte Oyo. Et les experts, selon les experts des Nations Unies, ont eu affaire. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, déjà. Tokometa Masolo, parce que Masolo est allé ming aussi, Nakatia. Et aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des réfugiés. Dans la ville de Goma, plusieurs réfugiés rwandais refusent de rentrer chez eux, car selon eux, il n'y a pas de paix au Rwanda. Ce que l'on dit à la télévision est très loin de la vérité. Il n'y a pas de paix au Rwanda. Voilà pourquoi il y a plusieurs réfugiés dans différents pays. Moi, je me sens plutôt bien en République démocratique du Congo que dans mon pays, le Rwanda. Je dis merci au gouvernement congolais qui nous a accueillis et surtout aux Congolais qui vivent avec nous, a déclaré cette femme réfugiée rwandaise. Donc, nous disons le nom pour des raisons sécuritaires. Selon les HCR, la ville de Goma compte 3000 réfugiés. Nombreux sont rwandais et burundais. La photo de ces réfugiés, ils allaient coléka, mais pour la raison sécuritaire, Tobombi et Longi, vous allez voir ça. Le peuple, Banyarwanda, et même les vrais Tutsi, Au Rwanda, et Amérique a mis tout à seul mettre à bord, et ça s'est retrouvé aussi dans la période où il y a Bill Clinton au pouvoir. Mais c'est lui qui est organisateur, il y a Hécatombe en Afrique aujourd'hui. C'est lui qui est allé voir Museveni, Ndenge Belgique Kazak utilisé sur la situation au Congo. C'est lui qui est allé voir Rwanda, Ndenge Allemagne Kazak utilisé sur la situation au Congo. Et Eroba Salaké Roison au Conseil de Berlin, Erobanda Kokabo l'Afrique. C'est en Allemagne. Mais ils ont utilisé les Allemands pour que Bassala Masolo, mais c'est la Belgique qui a gagné sur Makamboya et Léopoldé avec les autres. C'est ça ce qu'ils ont fait aussi avec Ouganda. Mais Kagame a plus gagné par rapport à Ouganda. Aussi longtemps que c'est Kagame qui est le fils, politique, fils. Admettons que son maître, c'est Museveni. Tout à fait. Mais c'est Museveni, maintenant, il a pris Kagame comme son fils adoptif, Alexis Banzelenyoso, mais c'est Kagame qui a plus bénéficié dans le Congo que Museveni.
malgré que tous sont des sanguinaires. Et c'est Kagame qui est beaucoup utilisé par les Occidentaux, et si que minerai n'y a ce zobimela, et si que bazo zoelango n'a un prix dérisoire et zokende, n'a pas mort n'a pas mort. Mais par rapport à Ouganda avec Rwanda, malgré que c'était ça la cause, il y a guerre, oh, il y a six jours, il y a Kisangani, Babanda Koelande, bah, carré minier, bah, gisement, et c'est que là où il y avait plusieurs minéraux, c'était ça la cause. Mais, et Robazo Makambaba réfugié, c'était préparé en 1990, Bandaka. 1994, il a créé un faux vrai génocide pour occuper le Congo. Mais Kagame n'a jamais été démocrate. Bon, maintenant, c'est là où nous disons que notre constitution doit être révisée, parce que Kagame a un mandat moko spécial. La même chose avec Sassou Nguesso, la même chose avec Paul Biya, la même chose aussi avec d'autres présidents, au Baza, n'a mandat moko indéfini. Mais la gestion à Bango. Mais Kagame est au pouvoir jusqu'en 2036. N'a pas Kagame, il n'y a pas la démocratie. Et pas Kagame, il n'y a pas le débat. Et pas Kagame, il n'y a pas un problème des droits de l'homme. Mais quand un pays qui n'est pas membre, il y a collectif, il y a Mamindelwana, il n'y a pas utilisé pour leur intérêt égoïste. Lui, malgré tout ce qu'il peut commettre comme bavure, il est toujours protégé. Mais pourquoi ces gens-là ne parlent pas de Kagame? Mais Kagame, c'est un sanguinaire. Il tue pour leurs intérêts égoïstes. Tous ces péchés sont ôtés. Mais, oh, Bazol, bah, réfugié rwandais, oh, des réfugiés, tout ce qu'on sort. C'est une distraction pure et simple. C'est l'homme blanc, à l'occurrence, des Américains, avec leur patron démocrate. Otto Bill Clinton, c'est lui le meneur de tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. C'est, même Poutine a commencé à dénoncer pourquoi Mohamed Gaddafi a été tué. Mais les Nations Unies doivent être restructurées. Parce que cause il y a Nations Unies, c'était pour le maintien de la paix. Mais quand il y a un moko oyo, il y a un droit de veto de grande puissance, il y a un meneur encore. Il y a trouble, de manière, il y a insécurité au monde. Ce sont eux qui créent des foyers de l'insécurité à gauche et à droite. Même ce qui se passe dans Sahel, tout ça, c'est la France. Et ça nous fait très mal. On en a marre avec des morts, des tueries, des pillages, des viols. C'est comme ça que nous voulons qu'il y ait au moins ce qu'on appelle l'équilibre du monde où il y a groupe. Il y a Poutine, avec Chine, avec Corée, ce qu'on sort, pour faire taire les ennemis de la nation. Il y a toujours copé cette instruction. Il y a son excellent, en fait, c'est un peu de Macron que non. On n'est plus encore dans la période. Il y a une instruction. Il y a une instruction. Et vous donnez des instructions matin, midi, soir. Faites ça, faites ça, faites ça. On en a marre avec ça. On n'aime plus encore voir ces histoires-là. Considérons-nous. Comme Bino, on est au même pied d'égalité, on est des chefs d'État, Nababok, Nabisson, Afrique, et l'Afrique, il y a Kala, et ça, ce soit Afrique, il y a les nous attendons que groupe, nous soit il y a Brisk, Baya, et on va voir aussi leur gestion et pour équilibrer les choses dans le monde. Voilà. Merci beaucoup. Nabandi était congolais, vous allez y parce que pendant l'investiture, il y a président sud-africain Cyril Ramaphosa et pas un peu moins Namboka aussi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part. Et ce qui, aujourd'hui, doit être mis dans la place publique parce que Ebélé, ils ont vu cette investiture. Mais le président Cyril Ramaphosa a dit clairement au président Félix, à l'Omilete, à l'Omilete, à l'Ingala, aux amis qu'on s'est là, on a sommé à but. Et c'est maintenant la décision que la République démocratique du Congo est Sengeli à soi. Est-ce maintenant la porte ouverte où la République démocratique du Congo est Sengeli à Kota? Parce qu'il a reçu invitation d'abord à participer à l'investiture, à communiquer à l'investiture, et le président Cyril Ramaphosa n'a pas caché l'intention d'aller à Koyemi. C'est clair que on vous attend la prochaine sommet à BRICS. La bande été va congolais va causer la réponse. Il y a le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons participer ou soit nous n'allons pas participer. Et si nous participons, ça sera déjà bah, griffe au quotidien à la communauté internationale parce que Essengeli
la République démocratique du Congo azwa makambo na maboko. Voilà. Et moi na mboka Yerushalema étant parmi les dirigeants et cellules na kati de PES, vous êtes au cadre na kati de PES. La grande question aujourd'hui n'a pas la population ezali ya kota la matinée politique et salami. Le secrétaire général et président d'intérim Augustin Kabuya, il a dit clairement pendant la matinée politique, ba ministre et IDPS vont composer dans ma cabinet la minorité. La partie est une la liste. Il y a beaucoup de travail la minorité. Mais la grande question s'est posée au sein de la population d'Azalie, entre ministre national ou Azali sous la gestion, il y a premier ministre, non, le chef de l'État, et un secrétaire général qui donne instruction ou injonction et pas y a nani. Merci beaucoup, madame Boka, na ko peso yano na mutuna na yo. Mais on clôture, ou bien trop sérieusement, souka sur les dires, il y a présent sud-africain Ramaphosa, sur l'invitation, ou y a pesi, fils de Sphinx, son excellence, Félix Antoine Tiré Tchulombo, autos venga fatigué ton yalu chez le mana, Brist. Yangonde o yo ki siko yo, c'est qu'on nous condamnons na aventure à Occident. Ou d'abord, il y a comité, il y a ambassadeur à l'Union européenne, où il y a le bac qui nous a 80% de minéraux qui sont azotés aux autres dans le Congo, et où il y a comme le bel assur, et dénonciation à qui nous avons pris par M23, c'est. Il y a clairement que M23, c'est armée rwandaise avec armée ougandaise. Il y a des pourcentages. Mais son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était très clair pour dire que je ne peux pas négocier avec M23. M23, Zako, qui vide. M23 s'appelle armée rwandaise. Si j'ai négocié avec M23, c'est que j'ai négocié avec armée rwandaise, avec Kagame, pour nakotisa basoda mapinga naye, na sala mixage, brassage, intégration, nenge prédécesseur na salaki. Mais il était clair. Même Ero Bamanda ko sala makela, non, non, M23 à 5 km, Nagoma à 3 km, c'était quoi? Plan ya mundele Zaki que soki Bazui Goma va imposer son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mixage, brassage, intégration. M23 a changé le sous costume. Nenga Zaka, RCD Goma, RCD Goma, comme CNDP, CNDP, M23, c'est toujours l'armée rwandaise qui se transforme en caméléon na sol ya Congo pour arracher toujours des intérêts, des accords, des contrats, tout ça, pour nous manipuler. On a intérêt à Mundele. Mais c'est aujourd'hui, quand on parle de la diplomatie intelligente, active de son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mundele Moko, a comme Koko, il y a Makali Kali, Nakanae, il y a quelques pourcentages. Mais M23, c'est qui? C'est Afdel. M23, c'est Afdel Oyoyaka sur ordre de Bill Clinton pour venir balkaniser le Congo en quatre parties. C'est ça, M23. C'est RCD Goma, c'est CNDP. On en a marre avec ces histoires-là. Voilà. Et leur dénonciation, c'est pour chercher au moins que RDC a une invitation à visiter. C'est ça, Manigan Sobazosala. Ils ont honte. Il y a Kota Lake, son excellence, on a Kotang, le nombre de voyages. Mais c'est aujourd'hui que fruit, il y a voyage. Et bien, déjà, c'est la diplomatie. Banguna, na kana bango ba comme déjà makali kali. On est presque à la fin, il y a Bitumba ou il y a Est. C'est vrai que pour que tu sois ministre ozobima na kota il y a regroupement na yo soit kota parti politique na yo. Tout à fait. Ça c'est reconnu. Plusieurs ministres ba mikuti ba insatisfait avec kanda que non on est parti na biso et regroupement na biso on avait 12 ministre, mais pas pessimiste. N'gwende ya ministère. Il y a plusieurs ministres mécontents. Ça, c'est le deuxième point. Mais quand le parti a pointé yo, a désigné yo comme ministre, na kota ya parti na yo, quelque part, osa redevable kota parti, malgré que tu es na compte ya mboka. Tu deviens ministre, pas pour ton parti, mais pour le pays. Mais il faut rétrocession et zala. Wana bloc, wana zakande, dans le secret, yaba.
regroupement soit à parti politique. Parce qu'il n'y a aucun mandat à parti pour que nous soyons ici. Il faut ça la rétrocession. Na katia parti. Et plus part, il y a un cabinet mingi au Kokuta, ministre, Mwana Naye, Likangu Naye, Mwana Kasi Naye, belle sœur Naye, soit beau frère Naye, na kati. Même na ministère, moko tobanda koyo kawa ke ministre, mina cabinet, chargé de mission, Mwana Naye Mwasi. Et Sparsek Naye, Mwana Naye. D'autant comment on a mandat ya liboso yotu ko koleka na ba ministère na mandat oyo ya ina bandeko basusu oyo na yembaki ya ba accusé clairement o auti pega na kai na kata ile peste ni moba na epeste alobi ete ba mamba cabinet ezala ye ezala au bénéfice ya parti te mais au bénéfice familial mais tu viens me compléter parce que moi je ne voulais pas citer les noms des gens yo ne muto cité Tony Mwaba mais biloko wana et ça qui sonne belé au comme ministre, ce n'est pas parce que Simba qui Zambala hier sous probablement au ministre, ce n'est pas du nombre yo c'est là qui va université comme que biso mususu tozoa occasion il y a quoi ça ni mandataire ni ministre non mais chance na yo et sali on t'a désigné ministre, on t'a désigné mandataire mais tu es redevable na parti politique. C'est là où manabute que je suis là en passant tozo benga ka 47 en sous tozo benga et tozo bika nde azonge makamwa ke non ndenge parti a tinda kibino bo assume ba fonctionne parti pe azana ba membre mususu ba o bazoba ke non ba combattant bazana misalate pourquoi yo lingozo lenga ka makamnyo so iza kan na famille na yo parce que plupart ba ministre mususu azaba ba député ba suppléant na bango de famille biologique. Tu gagnes un moliment qu'on a moutou. Oyo tigne l'Assemblée nationale. Ceux qui 5 000, ceux qui 7 000, t'en relèvent ma camouana la prochaine fois. Bamoussous, oiseau, bon, 21 000. Bamoussous, scout, oiseau, exagéré, 33 000. Mais t'en relèvent la parce que son excellence, c'est que j'entends ce que tu le mordes, qui que salaire, il y a député, il y a 7 000. T'en relèvent la voilà. Mais tu gagnes triple. Dans le ministère, oiseau gagné. Dans le parlement, qu'on a, tu as des pourcentages dans moutou. Oyo tigne les places. Na cabinet ba frenyoso ozoka kama quelque part mboka ngweza ya yote même maréchal mboto alubi que non na kotinda ba inspecteur batala batuna cabinet nayo moko mi balé ça va ce qui trois na konimate c'est que cabinet komi biloko no ya famille c'est ça c'est que manabuta lingisko a côté na applicabilité différemment na premier mandat même ba membre ay de pes j'ai vu d'autres images. Côté à Sénat, connaissez le consort. Babimaka avec ma déception et belé. Côté Assemblée nationale, ce consort. Mais cette fois-ci, nous voulons quand même voir que ba konzi a parti, ba changer le système de jeu. Ba combattant, ba tika kolele là avec des accusations moko inutiles, gratuites et ce consort. Transparence et zala. Non, la décision est très bonne. Parce que tu es ministre, na kota ya parti politique, au milieu mokone tu es souté, fils de Dieu, sans mère, sans père. Non, c'est le parti politique qui t'a désigné, na mandat à parti. Tu dois aussi respecter le parti, au sein de la rétrocession na kata parti. Je ne vois pas le mal. Voilà, et il n'y a pas de mal na question, na, mais. Et ce qui choque aujourd'hui la population, parce qu'il y aura peut-être des dénonciations de Gossal à Nasuka et à l'émission, mais nous allons peut-être parler de cette question européenne que ça la population, moi, Mbilinga, bah, Congolais, bah, Kotuna, surtout, bah, qu'on a besoin, bah, sénateur, bah, qu'on touchait 11 000 dollars, et bongo, et bah, député, bah, qu'on touchait, mon solo, et d'aller, bah, colossal, mais la grande question, le président de l'Assemblée nationale, la fermeture de la session ordinaire, il y a mars, a l'objet clairement que le député va toucher 14 millions de francs congolais, il y a l'équivalent à 5 000 dollars. Ouais, les amis, il y a l'objet de charges non sont confondues. Mais total, la loi des finances, il y a 2024 pour pas qu'on a sa mission de l'économie et le gouvernement, il n'y a pas de bas. Ils ont 8 000
Il faut que l'on ait un équilibre social. Notre cheval de bataille, il faut que l'on ait un équilibre social. 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 Il faut que l'on ait un équ
ero mobuto komi na Kasai Oriental akuta ki tribu moko ba kanyoka le losko baza kote lo mami ba ke kote ya kabine tous ces consorts c'est les attributs moko mune na Kasai Oriental ba ba ebisa ki mobuto ke nomba maréchal na tribu na biso on n'est pas on s'est pas retrouvé na kati ya gouvernement provincial mobuto a convoqué ka ce qu'on appelle conseil provincial à tout n'a qu'un ministre ou afin de savoir qui peut céder sa place pour que Moutou ou attribué à Kanyoko à côté de la ministère. Mais mon père avait levé les doigts. Il était ministre de la Santé, il s'appelle Panou Sylvain. C'est la première personne qui a été en étage na Kasai Oriental, en face de la poste de Mbujimayi. Il avait accepté de céder, de démissionner pour attiquer là pour l'intérêt de la province. Et il avait eu la chance de faire cash pour les 5 ans. Mais 6 mois ou 8 mois après, Mobutu avait suspendu tous les ce qu'on appelait des gouvernements provinciaux avec les assemblées provinciaux. Et il était la seule personne où, à Gagnaka, il était visionnaire. À part lui, Panou Sylvain, qui reste mémoire, nous avons Sylvain qui s'était intégré dans Moulumba. Premier ministre, avec cadre juridique, oye abandaka kolinga, et salema, maréchal Mobutu abandaki koboya. Mais il avait refusé, ya koza la première ministre Mobutu, par rapport à cadre juridique, oye fallait que salema. Il avait annulé plusieurs choses, tout le monde a Mobutu abandaki, non, mais na benga kachel, to zipa, bapa eba eba te, andi makaka signé. Et à part ce fin que c'était Tshisekedi, il y avait aussi Lunda Bululu. Il était premier ministre à maréchal Mobutu, quand il avait vu que non, non, ce que lui pensait faire, ce que lui pensait dire, ça ne prenait pas chemin. Il avait démissionné. Mais quand. Mais Rouen, ils allaient quand même faire. Non, mais c'est ça. Depuis période, il y a Joseph. Non, non, mais c'est ça ce que j'ai dit. C'est ça ce que j'ai dit. C'est ça ce que j'ai dit. Que non, non. Ils ont acté. Ce n'est pas un sujet de tabou parce que. Je viens de te dire, en commençant par mon père biologique, Sylvain Panou Mbwebwa. Na Kasai Oriental, nous avons vu Sfax Tshisekedi, nous avons vu Lunda Bululu. Pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement, la bande y était. Et il faut causer là toujours, parce que la population est à c'est là vraiment, le gouvernement soumis à Oyo et apporter quand même la réforme et ainsi la solution à la problème Oezali, Nakati, la société et Oye qu'on dérangeait la population. On attend. Parce qu'il y a même une autre personne qui m'avait dit gouvernement soumis à ce qui est sali. Attention, les alliés ont duré la vie à 2 ans à Pamba. Maman Judith est soumis à Zala Mayele parce que ta pression, ta ministre, na yo moussoukou, basa la moussala. Namoni déjà un coup de chapeau dans l'Opé Sana Costa Moutamba qui a instauré 7 heures juste, membre d'administration et membre de cadre déjà la moussala. Et on commence le travail par l'hymne national. Après une nationale, ma paysanati, tu mêlais après ton côté Moussala. C'est vraiment une première. Et je dis un grand merci à Maître Constant Moutamba. Et c'est vraiment la fierté de la jeunesse dans le gouvernement. Mais toi, tu dis Constant Moutamba, mais il faut parler la personne qui a désigné Constant Moutamba. J'ai vu même Monseigneur Donatien Chole, a remercié. L'applicabilité, soit la façon constante en excellence, il est apte, on attend de lui tout ça. Mais il faut d'abord revenir sur la personne qui a choisi cette personne-là. Mais pourquoi vous ne voulez pas parler sur la personne qui a fait les choix sur Constant Moutamba? Mais vous commencez à vous parler directement sur Constant Moutamba. Voilà, voilà, mon atelier, vous allez me faire un message dans la population congolaise. Votre caméra est là. Non, ce que je suis en train de dire, que le changement radical tant attendu, parce que Sphinx et Tshisekedi Dombolo nous avait légué pour qu'on matérialise le changement radical. Le premier mandat, on parlait que Zaka transition sans Joseph Kabila Kabange, Moussa le Bandi, avec lui sur Kola Lisso, Moussapia Lisso, tout Congolais et Sikazali, Azana a besoin que Makambo et Tambo le changement. Et moi, Nana,
et Salema à tous les niveaux. Bitumbe Sila, Bisonyo Sotozaba, Wazalendo, Bisonyo Sotozaba, patriote. Là où tu vois qu'il y a des infiltrés, il y a des personnes mal intentionnées, tu dénonces pour l'intérêt général. Il y a un bon cas parce que trop c'est trop. Et on a zoomé le bateau Salema. Non, non, pas ces alliés, tout ça. Mais pas ces alliés. Oui. Mais la cause, c'est la guerre. La cause, c'est l'impunité. Il y a en Occident qui nous envoie bah, gendarme na Bango, Ouganda, na Kenya. Oh, bah, comme il a dénoncé les lots, mais nous voulons quand même voir ce qu'on appelle les résolutions qui condamnent, pas dénoncer seulement, qui condamnent les gens qui tuent, qui pillent, qui volent. Na RDC et à l'occurrence na Est, matin, midi, soir. Mais ils n'ont pas parlé sur 1000 km carrés au Rwanda, Somaki, na Brazzaville. Mais la cause, c'était quoi? C'est faire la guerre na Congo. C'est un signe de guerre. Au Mundele, au Occident, à Salaki Makamwana, pour attaquer capital directement, faciliter le coup d'État et tuer en personne son excellent Félix Antoine Tshisekedi pour pas renverser, pour ne pas se faire le Congolais continuer. Mon notre pays. Son voilà. Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on est derrière toi. Voilà, un grand merci. Et Tokomi Nobiso Nasuka, mais je voulais juste, j'étais référé à le gouverneur militaire Djoumé Mbou et Nkachama, parce qu'il y a des réformes, mais qui sont peut-être parmi la place publique, déjà, je vous rassure qu'il y a visite, il y a écouté déjà. Nakati à ma solo parce que il y a une rénovation Nakati à Bounia, une rénovation Nakati à Ituri et Ituri. Un grand merci au gouverneur militaire, son excellence Johnny Lubo et à Kachama. Il y a aussi un espace aérien congolais qui s'est enrichi d'un nouvel aéronef du type ATR-72, un avion de transport régional, une initiative d'un opérateur économique, Joseph Akilimali. Voilà, et je salue en passant aussi. Moi, je suis le lieutenant Jules Ngongo. Donc, tu as toujours l'invitation. Il y a le gouverneur Johnny Lubo, il y a Kachama, Congo Live Télévision. Tu es appelé à Kati Aitouri pour vulgariser et puis pour tirer la place publique. Bah, action, yon souhait d'aller au Salem à Aitouri parce que les loyaux qui viennent à Aitouri grâce à la général Johnny Lubo, il y a Kachama. Un grand merci. La mienne, on a dit que tu es la mission à Souka. Moi, je suis Thomas Yerushalema. Lundi au malam, on a kangi kaka parti moko na kati émission au lobby. Miso to gérer na noté, miso ni mandataire ni ministre. Ogiste kabuya te ki gestion des ambitions. To monita le belé ba document na kati ya bureau, na ebité ba kobanda ko luka kombo ya nani ti ya nani na kati ya tri ya ba dossier belé bongo. Na sera quelque chose. Liste est parti au Kenya ministère. Yo moko lobi ango clair biso yo depuis to bandi. Tous se retrouver non te na kati de pes. Est-ce faut-il continuer toujours être derrière pour sa orbite Augustin Kabuya? Oui, chaque chose a son temps. Ce qui comme on dit que non colonel nous présenter ce qui n'en va bengoté. Chaque chose a son temps. Bana mai oyo bazozo ba ouverture ba komba mandataire ba komba ba bourgmestre ba komba ba ministre, ce n'est pas dire que bango ba simbaka na nzambe la nzambe, mais tant na bango ko kaki on leur laisse le temps, on jette les fleurs à chaque personne oyo azozo tant que azo moi élévation. Parce que l'élévation vient de l'Éternel. Non, tozo zela, tozo bika.